Pourquoi il a régène? Non frère, c'est trop de la dinguerie s'il vient de m'arriver. Non frère, c'est trop de la dinguerie s'il vient de m'arriver. Non mais les gars, mais je vais hurler. Là vous avez tous vu. Non mais les gars, non mais les gars, je vais hurler. Non, tu fais trop le mec ta gueule, Reming, s'il te plaît, frère, Reming. Va faire des customs, va t'amuser, prends du plaisir parce que t'as aucun avenir sur n'importe quel jeu alors que t'as 16 ans, frère, imagine. Et toi, dis que t'étais plat, tu vas rien dire. Mais s'il te plaît, frère, sur Valorant qui parle? S'il te plaît, KDDR, frère, pitié. Mais pourquoi Veto il parle alors qu'il a pas de team, frère? C'est ça, c'est des choses que je comprends pas. Palmarès, palmarès de VTO, le même que moi, frère. Voilà, GG. Bon pas marrer le VTO, hein. Bien joué. Oh c'est méchant, oh le chien. Parce qu'il me taille frère, il me taille, je réponds, je suis obligé frère. Oh le chien. Eh oui, je suis obligé frère. Là là ça pue. Oh là là, le Lucid qui va peut-être pouvoir l'avoir. Oh ah ah ah, le flash. Le flash qui est claqué. Oh putain. Que top, tu dis que c'est top 1% mais tu te plains sur Twitter de l'inflation des Twitter. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible d'être aussi con. Vous voyez, c'est toujours ça le problème avec vous. Vous voulez constamment, constamment modifier les propos que je dis. Je suis challenger depuis 6 ans, je suis joueur pro. Forcément les joueurs masters c'est des merdes pour moi. Est-ce que c'est clair comme ça? C'est assez clair là comme ça? Forcément. Donc forcément je me plains de l'inflation des joueurs masters quand je tag des joueurs masters. C'est tout à fait logique. C'est comme si d'un coup tu mettais Mbappé en Ligue 3. Au bout d'un moment, n'importe quoi. N'importe quoi ce chat. T'es un gros sub? Oui, je suis un gros sub là. Aujourd'hui, je suis un gros putain de sub. Et les subs, on leur met des claques. On leur met des grosses claques, les subs. C'est ça qu'on leur fait, les subs, frère. Il faut qu'ils se réveillent, les subs, human. Il faut qu'ils se réveillent, gros. Et genre, cette vie te plaît de LOL toute la journée? T'as pas envie de voir le monde, de découvrir. Je l'ai vu, le monde. Tu sais à travers quoi? À travers les yeux des gens avec qui je parle, à travers tes yeux, je vois le monde. Et t'as pas envie d'explorer plus le monde que de vivre le monde à travers LOL? Le jour où LOL mourra. LOL ne peut pas mourir. Alors je mourrai avec lui. Tout ça. Alors continue. Merci Somataka. Oh Stray, c'était encore une session de fou. Oh oui, c'était trop trop lourd. On a trop vraiment de bonheur dans les games là dernièrement. Les sessions sont incroyables à chaque fois. Et on a tout le temps Yanis et VexLFT là, ils nous mettent bien à chaque fois. Ouais. Et le fait d'avoir oui. Aurélion dans toutes les parties, ça régale aussi hein. C'est des très bons ajouts. Voilà, ça c'est mon loup-garou, ça. Ouais, c'est lui qui s'est, il s'est counter tout seul. Attends, je vais chercher. Ton fil d'actualité, il y a quoi un peu Niski dans ton TikTok? Pas. Ça s'appelle. Il y a des culs ou... Il y a que des culs. C'est pas celle-là. Hein? Ton fil d'actualité sur TikTok. Y'a Diana sur WAM? Les gars, first item, let's go. Oh les gars, clipez ça par pitié, ça va vite trop bien, genre. Oh en vrai, t'as assez jeune et gotesque. Merci beaucoup, bro. Je tiens à le dire. Ça fait super plaisir. Non, merde! Si j'avais réflexe W... Ignite, ignite, ignite! Non! En vrai, si j'avais réflexe W sur son stun... Je l'aurais tué. Tu prends des drogues quelconques? Tu sais, il y a tant de drogues dans la vie. La drogue de l'amour. La drogue okay, de la nourriture. Okay. Les drogues comme on les connaît, genre... La drogue dure, tu veux dire? Ouais, voilà. Mmh. Elles sont tellement pas assez dures pour moi que je n'en prends pas. Et non, je ne prends aucune drogue. Bah, t'as bien raison. Hop, je vais prendre de la vision. Noir là.
Il s'est passé quoi? Bah je sais pas, c'est la question que je me pose. Ah non, attends, elle est en train de me taper, elle est en train de me taper. Ah. Oh putain, oh la tarte, ce que je viens de lui mettre. Oh des barres. Je suis tué. Mais juste, tu maîtrises en termes de, d'agressivité, tu sais quand trade, pas quand trade, tu fais des triple waves, tu dives, tu te laisses push, tu maîtrises tes premières waves. Là, j'ai un Ekarim qui start bot, je vais me laisser push, on va la tuer. Et je vais la freeze sur la troisième wave, vous allez voir. Je sais pas ce qu'elle fout, frère. En vrai, je l'atomise. Hein. En vrai, j'ai trop mal. Elle m'a bien kite. Je suis un connard. Là, tu vois, ça c'est du hint. J'attendais juste qu'on ait rien avec.